Au moins une fois dans la vie, plusieurs d'entre nous se sont déjà posé des questions concernant les dîmes et les offrandes. J'ai un voisin dans une extrême pauvreté. Puis-je lui donner ma dîme sporadiquement? Ne serait-ce pas faire le bien comme Jésus l'a fait? Puis-je donner la dîme directement à mon pasteur préféré? J'envisage de donner ma dîme pour soutenir l'école chrétienne de mon voisinage. Puis-je aider à la rénovation de l'église avec ma dîme? Je soutiens un ministère très valable avec ma dîme. À l'époque de l'Ancien Testament, le système biblique de la dîme pour l'adoration requiert au moins trois principales composantes. Un pourcentage précis, un système spécifique pour l'offrir et un usage exclusif. Ainsi, si les adorateurs assignaient une partie de leur revenu, ou même la portion correcte, pour un autre but, ou s'ils la donnaient d'une façon différente de celle établie par Dieu, cela ne représenterait pas le fait de rendre la dîme. C'était Dieu, et non l'adorateur, qui décidait non seulement du pourcentage de la dîme, mais aussi où la dîme devrait être distribuée et comment elle devrait être utilisée. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir.